Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle décennie sur PC Building Simulator parce qu'on vient d'atteindre l'épisode 90. Donc on est parti pour une nouvelle aventure, on est parti pour continuer cette joie immense. Du coup, on avait vu qu'il y avait pas mal de choses qu'on pouvait faire. Donc là on a un montage de PC avec un Arctic, donc refroidisseur par air. Donc je sais déjà ce que je vais faire, je vais prendre le boîtier à 100. Processeur à 4065, ça devrait le faire. Et là, carte graphique à 2047. Ça va être un peu plus tricky, mais ça va être encore faisable, je le pense. Du coup, on va commencer par le boîtier. Et on va prendre le boîtier à 100. Boum. Tac. Le voici. Avant que j'oublie, on va prendre l'Arctic. Donc lui il veut du refroidisseur à air. Du 130 ça devrait aller. Mais il me faut un bon débit quand même. Débit 100. Hauteur 165. Bon, je vais prendre celui-là, il a l'air un bon compromis. Donc pour le processeur, on va partir sur du Intel. Et on va partir sur celui-ci qui fait 5000. Donc niveau processeur, on est bon. Il a un budget de combien? Ok. Bah écoutez, je retire ce que j'ai dit. Attendez. Hop. Processeur, on va lui mettre celui-là. Donc c'est du Coffee Lake. La carte graphique. Ah oui, c'est vrai. Il y a cette histoire-là. On va prendre ça. On va prendre ça. L'alim. On va prendre ça. Le stockage. On va prendre ça. Ouais, mais là on va dépasser. Attendez. Le stockage. Mets-en une plus basse, s'il te plaît. On va prendre ça peut-être. J'espère que ça passera. Et un petit 60. Boum. Je pense qu'on a tout. Il a pas de. Non, il veut pas de câble de couleur précise. On est parti. Ça en fait des choses là. Ok. Accéder au tableau. Boum. Boum. Donc, il va falloir installer le tuner de carte graphique et j'espère que on va pouvoir bien le tuner. Je crois que c'est 2100 hein, qu'on peut pas dépasser. Hein. Enfin, si on peut, mais avec des pièces spécifiques et tout. Enfin, c'est un peu compliqué. Je vous expliquerai plus tard. Hop. Vas-y. Tac. Non, la carte mère, s'il te plaît. Va pas plus vite que la lumière. Pourquoi incompatible? T'es pas sérieux? Ah merde, j'avais pas vu. Ah bah pardon. Pardon, pardon, j'avais pas vu. Ma faute. Ma faute. Bon, c'est pas grave, on va perdre un peu d'argent, mais bon. Voilà, vous avez rien vu. Mémoire. Le petit Adata.
Hop. La carte graphique. Ouais, c'est vrai que si je retire pas ça, ça va pas le faire. Je crois que c'est bon là tout. Ok, le M2, c'est bon. Pendant qu'il fait sa petite installation, on va s'occuper de ça. Ça va vite. Désolé si je tousse, hein, mais c'est à force de parler. Comme je suis encore un peu malade. Du coup, il nous faut le tuner. L'OCCT. Et c'est tout. Il le veut à combien? 2047. Ok, 2047. Alors, ok, pas assez de tension. On va encore augmenter la tension, c'est pas grave. Toujours pas. Moi, j'y vais vraiment petit à petit. Hein. Toujours pas. Bon, allez, on va passer à 109 directement. Boum. Toujours pas! Ah, mais dis donc. Passer sur du 110. Toujours pas. Ça me paraît bizarre là quand même, hein. Ça me paraît bizarre cette histoire. Moi je m'en fous, hein, j'y vais petit à petit les amis. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. Toujours pas. Bon tant pis, on va chaquer dedans. On va chaquer dedans, mais on va aller directement à 114. Ça a l'air de tenir un peu plus. Ok, il y a juste niveau température. Est-ce que il y a encore du budget? 105? Oh, il y a moyen de rajouter des ventilos quand même. Ok. Donc on retient 89. On va essayer d'arranger ça quand même. On va essayer d'arranger ça. Bim. Donc, ici on a deux ventilos. Est-ce que j'ai pas moyen de remettre d'autres? Tac, on va mettre ça là. Il me reste combien? 98. Hop.
Hop, on raccorde tout ça. Il nous reste encore assez d'argent. Ok, on appuie. Bon, on baisse un peu, hein. On baisse un peu, après, bon bah. Pour ça, faudrait reprendre des ventilos qui ventilent un peu plus, mais bon, là je pense que ça va quand même 86. Eh ben il va pouvoir partir celui-là. Allez, toi mon gars. Boîtier incomplet, oui, pardon. Mon gars, tu peux partir. Hop. 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 Et hop. Et un de fait, hein. Boum. Cool. Nouvelle pièce. Nvidia GeForce. Ah, ça c'est pour les refroidisseurs, ça c'est cool. Ok. Y a pas d'exigence en particulier. Bon, bah ça c'est cool. En minimal, bon, bah ça va aller. On va partir sur du AMD pour économiser un peu. On va être dans l'économie, je pense. Donc là, par contre, je vais prendre celui à 100 là. Voilà, 100. On part sur du AMD. Prix décroissant. On part là-dessus. On part sur du AMA4. Toujours pareil sur celui-là. Pour la mémoire, on va se taper ça. Pour la carte graphique, on va se taper ça. Pour la lime, on va se taper ça. Et là, il nous reste encore 100 et quelques. Donc, on va se taper. On va se taper le 60 et puis voilà. Bon, même 2. Hop. Bon, même 3. Ça débordera que de 5. Boîtier CPU. Ah bah non, en fait, j'en ai enlevé 2 parce que j'ai besoin du refroidisseur. Donc, pour le refroidisseur, je vais reprendre un refroidisseur à air. Et je vais prendre celui-ci qui fera parfaitement l'affaire. Bon, on va dépasser un. Non, on va pas dépasser, c'est juste le prix de la livraison. Allez, go! Voilà, tac. Accéder au tableau. Boum, boum, et c'est parti. Hop. Bon bah voilà une affaire rudement bien menée. Normalement ça devrait couler. Donc boum, on appuie sur P et pendant qu'il démarre, je vais remettre les composants. Touc. Gain de temps les amis, gain de temps, rappelez-vous. Boum. Boum. Nickel Michel, hop. Au suivant. Parfait, 5 étoiles. Nouvelle pièce.
Oh, Color Full, je sais pas ce que c'est ça. Ok. Encore un autre PC sur mesure. Ah, il veut par contre, lui, un refroidisseur par eau personnalisé. Et il veut que son processeur atteigne 3900. Bon, ça devrait le faire. Allez, on sort la calculatrice parce que j'ai pas envie de faire de bourde. Et on va commencer par... Boum. Juste vérifie bien. C'est que pour le processeur, bien évidemment. Du coup. Bam. Parfait. Donc, radiateur. Boum. Ah oui, il veut du EKWB. C'est ça, hein. Ouais, EKWB. Donc, EKWB. Hop, te voilà. Te voilà. Te voilà. Donc on est sur du 680, 650 pardon, 650. On va acheter pour le jour même. Ah merde, j'ai pris pour le jour suivant. Fuck. Bon, pas grave. On va passer le jour et puis basta. Ensuite, tac. Pour la boutique, pour le processeur, on va partir sur du 4000, je pense que ça suffirait, hein. Attendez. Fabricant. AMD. Par prix décroissant. 4350. Ouais, parfait. Donc, on va partir là-dessus. Plus 300. 90. Plus. Le refroidisseur, c'est bon. La carte mère, il faut du AMA4 du coup. On part là-dessus. Donc, plus 210, ça nous donne 1250. La carte graphique, on part sur du 910. Plus 900. Merde. Attendez. 650. Plus 390 plus 210 plus 910, on est à 2100. Ouais, il va falloir se calmer. Pour l'alim, on part là-dessus sur du 260 plus 260 plus le boîtier ici à 40. Donc plus 40. Il nous reste environ 40. Bon, attendez. J'ai un peu baissé ça. Bon, après, il n'y a pas vraiment de grandes demandes, hein. Tiens, on va prendre ça. Jour suivant. J'espère que j'ai rien oublié dans l'histoire. C'est un nouveau PC ça qui veut? On verra demain mon coco, hein. On verra demain. Donc, on va passer le jour. C'est long, c'est très long. Alors, hop, du coup, toi. Il
Allez, on est parti au chapeau de roue. Ah, j'ai oublié le stockage. J'ai oublié le stockage, mais quel abruti. Bon, tant pis, ça va nous faire l'argent en moins, mais je vais le faire, rassurez-vous. Quoique, je peux attendre le montage de l'autre PC, vous allez me dire. Moi, je peux attendre. On part sur les conduits. Donc, de la pompe au radiateur, du radiateur au bloc processeur, du bloc processeur à la pompe. On met le liquide de refroidissement et il ne manquera plus que... Ok, c'est bon. Il ne manque plus que le truc de démarrage. Ok. Lui. Il veut un score de 6000, il veut le i7 8700, un refroidisseur par eau et une prise en charge de double GPU. Prise en charge ne veut pas forcément dire qu'on doit en mettre deux. On va voir. On va voir. Du coup, boutique. On va partir sur... Pareil, le 400. Attendez, attendez, parce qu'il y a une demande, il a une demande précise. Il veut le 8700. Donc 8700K. Voilà. C'est du Coffee Lake, donc on part sur du Coffee Lake également. Boum, on part là-dessus. Pour le boîtier, arrivé en refroidisseur par eau. Ah. Je vais mettre ça pour le refroidisseur. J'ai pas vraiment envie de lui payer cher non plus. On va prendre ça. Ensuite, pour la carte graphique, on va partir sur. Il veut combien? 6000. On va partir sur 750 peut-être. Ah, il veut 2000 pile poil. Pouah. Là, on va partir sur du 140. Et le stockage, on part sur du 60. Je crois que j'ai oublié la mémoire. Hein. Peut-être d'ailleurs, on va en mettre deux après, faut pas oublier. La mémoire, je l'ai mise. J'ai pas mis la mémoire. Mémoire. On va lui mettre 50. Et on va réduire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut réduire? Bah, la carte graphique, je pense. Ou... Bois de 30, on peut mettre quelque chose de 120 au niveau du refroidisseur. Parfait, on va prendre ça. On est bon. Ok, je vais juste prendre ça en prime. Attendez. Oui, il y a le double GPU normalement. Normalement. Donc. Boum, boum. Et tu vas te mettre là en attendant. Toi, je t'ai pas oublié. Hop. Parfait. Câble manquant, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Boum. Le panel avant. On met la petite USB. On appuie sur P.
Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Boîtier incomplet, ça doit être ça. Hop. Parfait. Allez, toi, pareil, c'est fait. Donc c'est fait, c'est plus à refaire. Hop. Du coup. Boum. Nickel, Michel. Ça, on va juste enlever. Toi. Boum. Vu que c'est... Hop. Vu que tu veux du refroidisseur par air, on va passer par là. Hop. Hop. Par eau, pardon. Tac. Allez, c'est parti. Bon, celui-là, normalement, il fait multi-GPU, hein, donc ça va. Carte graphique. Hop. Ah, vous voyez, prise en charge double GPU, donc c'est bon. Ça veut dire que ce qu'on a fait, c'est bon. Tac. La mémoire. Hop. Le refroidisseur. Le stockage. La lime. Évidemment. Ça faisait longtemps que j'ai pas mis ce boîtier là en même temps. Toc toc. Il nous manque plus que les câbles. Boum, 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 boum. Et pendant que monsieur se lance, je vais réinstaller les pièces. Il va falloir faire un 3D mark. Hop. 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 C'est bien le 3D Mark? Oui. Donc là, je peux redémarrer. J'ai eu un petit doute. Alors, pendant qu'il fait le petit 3D Mark, bah écoutez, on va voir un peu les mails pour voir ce qui nous attend au prochain épisode. Alors, assembler un PC avec refroidisseur par eau personnalisé pour le processeur et la carte graphique. Et il veut du Alpha Cool. Putain, on n'a pas encore fait du Alpha Cool. Ok, là, il faut diagnostiquer et réparer pour 80. Bah, ah, la lime, bon bah voilà, ça va être facilement faisable. Il veut installer un refroidisseur par eau personnalisé pour processeur et overclocker le processeur à 4200. Il est de combien? Bon, on va essayer, hein, écoutez. Et là, nouvelle config à 5151. Ça, je le refuse directement parce que... bah. Ah non, c'était 5200 que je refuse, pardon. Ok, donc ça devrait... aller normalement, donc il va falloir quand même se concentrer pour le prochain épisode parce que sinon on va faire des bêtises. On va faire des bêtises. Bon, normalement là, les 6000 ça devrait le faire. Parfait. Ok. Bah maintenant que tout ça est bon, hop. Boum. Et du coup, toi, boum. Nickel, Michel. Ah bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour continuer notre aventure. Des bisous à tous. Ciao, ciao.